Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le samedi 13 août, il me semble, et on a décidé d'aller bruncher dans un endroit un peu particulier, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. On va aller bruncher dans un bus londonien, donc c'est trop cool, on a déjà été une fois, donc là on va aller tester le brunch et d'autres petites choses. On vous montrera tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta qui s'affiche juste ici. Et puis voilà, c'est parti, je vous donnerai l'adresse dans la barre de description si ça vous intéresse. Donc voilà, on se retrouve là-bas, à tout de suite. Alors, on a pris un breakfast, non, un king breakfast. Du coup, il y a des toasts. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, juste des toasts pour le beurre qu'il y a là-bas. Des œufs, des tomates, elles sont cuites, je crois. Ouais. Du bacon, des saucisses, des beans, des champignons, et ça, c'est des. Genre de rosti. Des rostis, ouais, des pommes de terre un petit peu toastées, enfin voilà. Il a l'air incroyable. Et on a pris avec un club sandwich. Cream cheese et concombre, et avec salade et frites. Et on attend un autre truc. Et maintenant, pancake. Je crois que là on va mourir. Sortir du coup du bus londonien, donc Royalty ça s'appelle, et on a trop bien mangé, donc vous voulez vous faire un petit récap. Donc on a pris un king breakfast mais pour deux, on a pris un club sandwich concombre cream cheese, donc c'était super bon aussi, avec des frites et les pancakes. Clairement moi j'ai trop mangé, les pancakes c'était en trop.
c'était vraiment, c'était de la gourmandise, mais c'était très bon. Après, ça reste un peu cher pour ce que c'est quand même. On a payé 38,80. C'est un peu cher. Après, je pense que c'est parce que donc, les produits sont aussi importés. Bah, c'est ça, en fait, c'est que c'est des produits qui sont importés, une partie des produits qui sont importés d'Irlande et d'Angleterre. Ouais, bah, déjà, ça. Je pense que le prix des produits doit être ouais, et puis plus cher de l'importer, de base quand ils l'achètent. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que ça justifie le prix. Après, honnêtement, on y va aussi beaucoup pour le cadre hein, très dépaysant et tout. Il y a ça, il y a l'endroit, puis en plus c'est de ça, c'est pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est pas une boîte comme McDo ou Burger King. Quoi. Ouais, c'est, voilà, c'est ça, ça change. Et puis, le mec, il a fait le truc, il est tout seul, quoi. C'est ça, ouais, ils étaient très gentils. Franchement, moi, j'ai demandé les pancakes et le pain pour le club sandwich sans gluten, puisque vous pouvez le demander. Et franchement, ils étaient adorables, ils l'ont fait. Moi, je pense qu'il y aurait eu du monde, j'aurais pas fait ma chieuse et j'aurais pas demandé. Mais franchement, très gentils et tout. Ils viennent vous voir souvent pour savoir si ça va, s'il vous manque rien. Là, en plus, on est en plein mois d'août, donc il y avait personne. Donc, on avait tout l'étage pour nous tout seul. Donc, ça, c'était trop, trop cool. Mais l'étage est climatisé. Ouais, c'est vrai. Bon, après, que dans le fond, parce que sinon, vous mourrez de chaud, vu que ça a des vitres, ça fait effet de serre. Donc, il fait chaud, quoi. On vous reprend pour vous dire également que la tarte de Royalty, elle est super grande. Et en fait, leur marque de fabrique, c'est le thé, les instants thé. Donc du coup, vous pouvez venir pour bruncher, pour manger le midi et aussi pour l'heure du thé. Parce que du coup, ils font les thés anglais avec les pâtisseries. Il y a des cupcakes, il y a des macarons. Je sais qu'ils font aussi pour des événements, si vous avez des baptêmes, des mariages ou des choses comme ça, vous pouvez leur passer, les baby showers aussi, vous pouvez leur passer commande et du coup ils vous préparent en fait les cupcakes qu'on n'a jamais goûté mais qui donnent très envie. Et tu peux réserver aussi l'étage. On peut réserver l'étage pour des anniversaires d'enfants, pour des goûters, pour plein d'événements, donc ça c'est très chouette aussi. Et à la carte vous avez aussi tout ce qui est hamburger, frites, fish and chips, si, il y avait ça. Ah mais si, j'ai filmé. Il y avait des hamburgers. Oui, végétarien même. Je peux me dire que non, mais si, j'ai filmé de toute façon, donc vous aurez la carte. Il faudra juste mettre pause pour voir un petit peu tout ce qu'ils proposent. Mais voilà, juste pour vous dire que la carte est plutôt complète et donc du coup c'est plutôt sympa. Il faudra qu'on teste un jour pour y aller pour le goûter. Ouais. Et ça me fait penser. C'est cool. Parce qu'avec le serveur, on discutait quand on était déjà venu plusieurs fois, dont la dernière fois c'était Halloween. Et du coup, la carte change en fonction des périodes saisons, aussi, des saisons. C'est vrai ça. À Noël et à Halloween, ils proposent des choses différentes avec des thèmes et les cupcakes qui sont complètement différents pour Halloween et tout. C'est trop chouette. Enfin, pas que des cupcakes, il y a aussi des plats salés quoi, qui changent. Les plats salés aussi? Ouais, il y a des trucs différents. Bah, forcément, des trucs avec la courge et tout. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà. Non, mais c'était pour vous dire tout ça. De toute façon, toutes les infos sont dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir directement sur le site pour voir tout ce qui est proposé. Et donc, nous, on est en région parisienne. Donc, c'est là qu'on est allé. Et sinon, il y en a un, je crois, aussi en plein cœur de Paris. Je crois qu'il y en a deux. Pour la vérité, mais normalement, il y en a deux. Mais tout est sur leur site. Donc, voilà. Notre petit tour à Royalty. On voulait vous emmener avec nous. Donc moi, je vais vous faire des gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bye.